ça a commencé autour des années 90 avec M. Camille Morneau. C'est une formule qui nous vient de la France. Puis M. Camille Morneau avait étudié ça pendant une couple d'années, autour de fin des années 80, début 90, lors de son mémoire en développement régional. Ça l'a amené à mettre sur pied deux coopératives pilotes, qui étaient la CUMA de Saint-Fabien et la CUMA de la Rivière-du-Bic, qui sont encore très actives aujourd'hui.